Morgen, allez, Iden, ce sera aujourd'hui le Nishmat, vraiment de Chai Ben Yitzhak, Befani et Dvorah Batester. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous ayons un sacré tout votre Perek, Aleph Mishnah Zain. Hi Omeret Mukat Etz Ani, Vehu Omer Loki, El Adrusat Ishat. Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omrim, Nehemenet, Rabbi Yoshua Omer, Lomi Pianu Chaim, El Arizu Bechazgat Drusat Ish, Adjetavi Reaya, Litvarea, deuxième Mishnah. Du conflit entre l'homme et la femme, qu'il se lève le lendemain du mariage, il va au Beddin et prétend qu'il a trouvé sa femme. Une porte ouverte. Elle ne nie pas la problématique, mais elle fait ça de manière propre. Lui, il prétend qu'en réalité, Drusat Ishat, elle a été piétinée, les mots de Dros, c'est quelqu'un qui est Dros, c'est quelqu'un qui piétine, elle a été piétinée par un homme, d'accord ? Vous avez compris? Et donc, elle, lui, il prétend, et elle prétend, non, en réalité, elle a eu un problème. Quand elle avait 7 ans, elle faisait de l'équitation, elle montait sur un cheval, et puis il y a quelque chose qui rentre dedans qui l'a perforé. C'est ce qu'elle prétend. À qui on donne raison? C'est-à-dire qu'à la différence de la première, c'est quasiment, ça ressemble beaucoup à la moucha précédente, en réalité, c'est quasiment la même chose, on a juste changé les propos de chacun. C'est-à-dire que. Dans la mission précédente, elle prétendait qu'elle a été violée après fiançailles. Là, elle prétend qu'effectivement, il y avait un problème avant fiançailles. Il y avait effectivement un problème. Elle a joué la cachotière, mais elle n'a pas caché quelque chose de très grave. Lui, il vient, il dit, je te dois rien qu'une ktouba parce que je t'ai pris en tant que femme vierge. Il s'avère qu'en réalité, elle a déjà été piétinée par quelqu'un. Et lui et elle prétend pas du tout, elle n'a jamais été piétinée. C'est vrai qu'elle avait un certain problème. Si vous vous souvenez, dans la Mishnah Gimel, on avait appris que si, effectivement, il y a eu un bois qui est rentré dedans, quelque chose qui a fait perdre les Betulim, alors effectivement, elle perd de sa Ktouba, qu'elle va faire une Ktouba de 200, elle va avoir une Ktouba de 100. Et c'est d'ailleurs ça le point important. C'est-à-dire qu'en réalité, elle dit, bon, effectivement, je t'ai caché quelque chose. Je t'ai caché que quand j'étais petite, j'ai fait de l'équitation. En montant sur le cheval, tac, il y a quelque chose qui est rentré dedans qui m'a fait couler les dames Betulim. Effectivement. Donc en réalité, je ne réclame plus 200 zouz de la Ktouba, parce que je ne suis pas une betoula, mais je réclame quand même 100. Parce qu'une femme qui se marie, il faut savoir ça, si quelqu'un se marie avec une femme, prétendue être betoula, vierge, et après il se rend compte qu'elle était beoula, elle était donc déjà eu un rapport avec quelqu'un, alors il pourra la divorcer sans lui donner de Ktouba, parce qu'elle a trompé. Il a eu tromperie, donc il ne doit pas lui payer la Ktouba. Mais si toutefois, en réalité, elle lui dit, elle prouve que son problème, elle, c'est pas qu'elle a eu un rapport avec quelqu'un, c'est qu'elle a juste été une moukat etz, comme ce qu'on avait vu dans la Mishnah Gimel, alors, il y avait deux avis là-bas sur ça. Mais selon Chachamim, il faut lui payer juste une ktouba de un mané, lui donner juste 100. Mais quand même, il n'y a pas eu de tromperie. Ouais, c'est pas quelque chose qui va tellement être pogem, qui va faire qu'il y ait une tromperie fondamentale. Il y a juste que maintenant, elle n'a plus le plaisir... d'ouvrir pour la première fois la bouteille de coca, elle a déjà été ouverte, mais elle a été ouverte et juste refermée instantanément. On a juste coupé la bague, en fait, sans ouvrir le bouchon, quelque part. C'est un peu le même principe. Donc, on n'a plus l'assurance, le plaisir de pouvoir avoir une femme betoula. Non, il n'a pas encore une betoula, donc il n'y a pas de raison de faire annuler l'acquisition du mariage. D'accord? Ça, c'est les propos de chacun. Maintenant, donc on a maintenant... Donc, je commence à traduire maintenant le cas. Hiomeret Mukat Etz Ani. Elle prétend qu'elle a été frappée par un bois. Donc, il y a un bois qui est entré dedans qui a fait qu'elle a été perforée. Veo Omer, lui, il répond non, Loki, ce n'est pas juste. Elle a drosat ish at. Elle a eu un rapport avec un homme qui l'a piétiné. Qu'est-ce qu'on fait? Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer, Omrim, Nemenet. On a Rabban Gamliel, Rabbi Eliezer qui vont dire qu'elle est crue à elle. Même principe que la Mishnah précédente, que, alors cette fois-ci, la Chesed Kachrut, elle est un peu plus abîmée, mais le principe, il est comme ça, il est que, elle a un migo, en réalité, parce qu'en fait, elle aurait pu dire que j'ai été drusat, elle a été mouket et startav. Elle s'est engagée de nouveau en parlant, pendant qu'elle a parlé pour nous raconter, quand elle nous raconte son histoire, qu'elle a été effectivement, qu'elle a eu un problème avec un bois, elle aurait pu dire qu'elle a fait de l'équitation, pas quand elle avait 7 ans, mais entre le fiançailles et le mariage, et qu'elle se souvient qu'elle a caché parce qu'elle a eu honte, mais qu'en fait, il y a 2 semaines, midiouk, à cette date-là, quand elle est partie là-bas faire... elle est montée sur le cheval, et tac, il y a quelque chose qui est entre dedans, qui l'a casé les betoulim.
Et dans ce cas-là, elle aurait une ketouba de 212 en restant propre pour les Kohanim, parfait. En plus, à la différence de la violée, de la Mishnah précédente. Alors que maintenant, elle nous dit non, en réalité, c'est depuis qu'elle avait 7 ans. Donc en réalité, elle vient nous dire, c'est vrai que tu ne dois pas 20 000, tu ne dois pas 212, tu ne dois juste 112. Alors elle a, de nouveau, elle a son migo, et donc on va la croire. Ça, c'est l'avis de Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer qui nous dit qu'elle est Néhémeneth, elle est crue. Et même pour faire sortir de l'argent, donc parce qu'elle a le migo. Et elle est migo, ça veut dire qu'elle aurait pu prétendre mieux prétendre et plus profiter. Si j'étais une vraie menteur, quelqu'un, le principe du migo c'est simple. C'est si j'étais un vrai menteur, j'aurais dit ça et j'aurais tout gagné. Donc si je dis pas la grosse tana, je dis juste une tana plus petite qui m'engage et qui va faire que je vais perdre, alors crois-moi que j'ai raison. C'est le principe du migo. Et sur ça, on a Rabbi Yoshua qui va nous dire, Rabbi Yoshua Omer, L'homipia anu chaim. On ne se fonde pas sur sa bouche. Et dans ce cas-là, Arezou Bechaskat Drusat Ish Achetavir Aya Litvarea. Il va nous dire, Rabbi Yoshua, il nous dit non, de nouveau. Elle vient pour soutirer de l'argent avec quelqu'un qui est Mourzak. Lui, il dit, moi, j'entends pas ce qu'elle me raconte, ça m'intéresse même pas ce qu'elle me raconte. Dans la mesure où maintenant, il y a un vrai problème devant nous, on est tous d'accord que cette femme-là, elle n'était pas du tout WW. Je sais pas si ça existe encore en France, la voiture neuve avec deux W là, elle n'était pas WW, donc quoi qu'il arrive un problème, dans ce cas-là, elle peut prétendre ce qu'elle veut jusqu'à demain. Pour le moment, moi je reste possesseur de l'argent jusqu'à ce qu'elle me prouve, comme selon la règle, que Amotsi me fera la varia. Dans toute sa lacha, la lacha établie comme Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua. Un point important qui est rapporté dans le Bar Tanoura et qui pose en fait problème, il y a un nom, Tosot Yom Tov, qui parle, mais je dis très rapidement ce qui se passe avec le début du Tosot Yom Tov, au moins que ça, on l'ait dans les mains. C'est que tout ce qu'on est en train de parler pour le moment que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer vont dire qu'elle est crue, c'est que du point de vue argent, différent d'argent, dans un différent d'argent, alors on a des règles comment fonctionner. Mais concrètement, imaginez par exemple que ce monsieur-là, c'était un Cohen. Il s'est marié avec une femme qui était censée être vierge. Une fois qu'il se marie avec elle, il réalise qu'elle était Drusat Ish. Et elle réalise qu'elle était Be'oula. Et elle nous raconte qu'elle a été frappée par un bois. Alors, sur ça. Donc on a dit, selon Rabban Gamliel, elle est crue, elle va lui dire, non, tu me dois 212, tu me dois 112, ouais, tu me dois quand même une ketouba, parce que c'est moi qui ai cru pour dire que j'ai eu un bois qui est rentré dedans, et pas que j'ai été violé par quelqu'un. Ça, c'est bien par rapport au côté aspect argent. Mais imaginez que lui, il est Cohen. Lui, il est Cohen, et il affirme qu'elle a eu un problème. Il veut la divorcer sans ketouba. Maintenant, si elle aurait pu dire. Alors comment est-ce qu'on va? Là, on va plus s'intéresser à ce qu'elle elle prétend. On va plutôt s'intéresser de manière plus pragmatique en disant, écoute, bien, on prend les données, qu'est-ce qu'on a devant nous? On a une femme que maintenant il s'est marié avec elle, il se retrouve qu'elle a un problème, on a un doute, est-ce qu'elle a été violée par un homme ou pas? Si elle a été violée par un homme, même si ce n'était pas volontaire, malgré tout, elle devient Assoura pour le Cohen, il devra quand même la divorcer. D'accord? Ouais, ça c'est d'abord, ça rapporté dans le Bar Tanoura. Il va nous dire que finalement, du point de vue côté halakhique, point de vue est-ce que cette femme elle est permise ou non, alors là on met de côté ce que chacun avance et prétend comme Tana, on s'intéresse, tu as un doute maintenant est-ce que cette femme elle a été, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ça s'est passé après coup. Alors pour une femme mariée à un Israël, après coup, on a ce qu'on appelle un sfek-sfeka, on a deux safek. Peut-être qu'elle a été violée avant mariage, donc elle est permise. Et si ça s'est passé après mariage? On ne sait pas ce qu'elle a été violée ou ce que ça a été fait, beratson, volontairement. Alors on a un doute qui va nous dire, écoute, on a deux bonnes raisons pourquoi on va la permettre. Parce que premièrement, peut-être ça a été fait volontairement, mais c'est avant mariage. Donc elle n'est pas interdite. Et au pire, c'était après mariage, mais peut-être que c'était involontaire, elle a été violée. Mais pour un kohen, on ne peut plus dire ce que c'est cas. Parce que même si elle a été violée, elle est assoura. Donc dans ce cas-là, on a devant nous juste qu'une seule solution. On a juste un seul doute. Est-ce que c'était avant mariage ou après mariage? Vous allez me dire peut-être qu'après mariage, mais c'était un bois qui lui est rentré dedans. Sur ça, c'est pas fréquent qu'un bois rentre dedans et qu'il fasse tomber les bétoulim. C'est pas considéré d'un point de vue issour pour transformer ça en sexe. Comme ça importé. Ça rallonge beaucoup, bien sûr, évidemment, comme je vous ai dit. Mais pour notre propos, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov, c'est là.